Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Si proverbe créole l'a dit, la guerre averti, patiye kokobe. Une principale base kidnapping dans pays d'Haïti, c'est machine à vite tété. Et cause insécurité, ça, c'est plus gros défi, oui, gouvernement, pour lever. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après les GPNH, là, des fin palais, kounya là, c'est pral tout pas premier ministre, Joute Joseph, qui pral prend ses gros décisions pour mettre fin avec dossier kidnapping. Et m'pas caché d'où, haïtien en Haïti, coulot bodlo, bat bravo. Comme nous connaît haïtien, la plupart nan nous, c'est Saint-Thomas nouye, c'est l'enoué nou kwe, eh bien, ou ka tout passe nan loa tout. Qui 5 décisions sa yo? Pour qui ça c'est kounya yo fel? Si m'pa applique l, qui sa ka prive m? C'est toute réponse à question sa yo nou pral ba ou ak divers lot nan journal matin. Mesdames, mademoiselles et messieurs, rale ti chèz ba ou chita confortablement, m'pral détaille ba ou nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, n'a dou merci, hein. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer, et merci pour fidélité ou ak patience, ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, et merci tout parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, hein, sous fait tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là, pour pas rater aucune vidéo. Ses amis pas ou Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, hier soir, nous te baillons compte, contre ça, qui c'est l'aime, chita m'piro, et l'aime, campé piba. S'ouvre un phénomène ça, et bien, veille les chien chita, ou après piro, et bien, l'aile campé, li piba. Effectivement, en pile fanatique, t'es commenté, yo t'es dit chien, et bien, t'es détaillé pour dire, c'est chien ou l'aile chita l'piro, et l'aile campé, li piba. Bravo, nous, on tout fanatique, nous, yo très, très, intéressant et très très intelligent. Nous pas en affaire une sorte pas borisite. Yo très très compréhensif. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien mes comptes wap gen pour chercher élément de réponse là pour nous. T'en prie s'il vous plaît, quittez-le dans commentaire là, ça a fait nous plaisir en pile. Petit moi petit, mais moi plein caille. Petit moi petit, mais moi plein caille. Pas hésiter, quittez commenter pas là. Donc qu'on y a là en entrée dans ça qui concerne nous dans bulletin information qu'a fait actualité côté premier ministre Joseph lui-même passe coup de plume en bas 5 gros décisions dans la République. Et ceci, Picou Maron, Zanana Koupingouin, doit obéir. Parce que dossier kidnapping ça tellement frappé nous, nous tout a plaigné, mais l'État prend une décision, c'est nous-mêmes population qui pour camper ensemble avec l'État pour que toute décision ça yo capable respecter et pour nous capable sortir dans crise dossier kidnapping moun ka mouri matin midi soir dans pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien premier ministre Joute Joseph, président CSPN, primatia informé public là, généralement, ensemble avec la presse, et ceci là, lutte contre insécurité. Eh bien, ça passe, gouvernement, jou kite 3 mars là, yo décidé adopter mezi sa yo, pour stopper machine kidnapping ça, pour stopper vague insécurité ça. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça passé, sous premier bagay yo commencé ce dossier machine avec vite teinté. Machine avec vite teinté. De nos jours, nous tellement fait dans pays, ya, tande bien oui. Yo nèg ki gen ti boubout, et puis ti boubout la li même go lot et papi kap jirel. Et bien ça passé, fia kala en dedans machine nan devant la kaila. La fonti bagay sou wap paso wè machine nap souke, mon pakawe andal a cause 8 machine nan tete. Fom di nou a fait dossier de tete 8 machine sa, en pile garçon pral nan kouri, en pile neg ap commencé pedi ti ménage sou kote, puisque nou wow. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, sa k passe, tout ka kidnapping kap fait se machine 8 tete, parce que depuis yon fin pou yon fou wanda machine nan, yon passe ensemble avant, eh bien, même la police ki a te pap ka wè encore parce que 8 la tete ou même
yo pa ka wè. Et ceci c'est pas toute machine yo gen autorisation pour faire descendre vite là pour yo bay garder en dedans. Que des chefs ka passe pas même temps la police mandé li just descend on ti prend vite et puis dit la police c'est moi même ou pas besoin inquiéter et puis yo passé. Mais gon équipe mal intentionné moun ka fait kidnapping yo et puis son série de gros machines à vite tenté ka passe broté moun pralé. Et bagala tellement rivé loin ou ka saisir ou monte ton camionnette devant camionnette là vite li tenté. C'est ça que territato. Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui passé et bien d'après conseil gouvernement fait 3 mars 2021 là et bien ont décidé adopter mesures ça yo pour détecter toute vite machine temporairement nous yon façon pour capable contrôler dossier insécurité. Et bien ou connaît tout même dans grammaire dans tout cas gagnon exception qui est-ce y a excepté dans cas ça qui capable porter machine yo capable gagner vite teinté. Donc c'est qui est? Eh bien, nous connaissons te gagné un nouveau plaque yo vin ensemble avec un nouveau plaque officiel qui gon couleur jaune et ancien plaque service de l'état yo te gon couleur bleu ciel. Eh bien, yo pral décider changer. Mon connaît qui va les machine qui crasé qui toujours était avec plaque service de l'état et puis moun sa yo prend plaque machine nan mette dans l'autre machine, continue faire malversation. Eh bien, ça qui passé, moun qui pral gagner plaque machine ça yo, c'est corps officiel diplomatique avec corps consulaire yo seulement cap gagner nouveau plaque machine ça. Même la police, attendez bien, même la police pas autorisée pour gagner plaque ça. Est-ce que nous tendez? Même la police pas autorisée pour gagner plaque ça. Donc c'est des entités en dedans pays a seulement cap gagner nouveau plaque machine ça. C'est officiel corps diplomatique yo ensemble avec corps consulaire là, c'est seulement des corps ça yo cap gagner machine avec vite teinté. Attendez bien, corps diplomatique ensemble avec corps consulaire, c'est des corps ça yo seulement en dedans pays ya cap gagner machine avec vite teinté pour nous dire. Après ça la police pap ka gagner vite teinté. Allez voir pour petit bourgeois, allez voir pour moi même ensemble avoir qui fait partie de classe moyenne. Tout moun pral tete vite machine nou. T'en prie souple, mesdames, mademoiselles et messieurs, moun konnen tête nou di, mais songez bien, zoreille pa konn pi long pa se bouche. Lè nou bezwen soti nan yon crise, lè l'état pren yon décision, nou même en tant que moun kap victime, fon suspend voye to ya, oh c'est blague, c'est rance, c'est dis c'est date, mais applique, manye fout applique tout. Fòk nou manye tande nan zoreille nou, lè l'état parle ensemble avec nous, parce que lè otan de dossier kidnapping ça, ça rè la gauche, ça rè la droite, ça rè le devant, ça rè le dead, tout bagay yo fin fon spak. Mais kounya la pa blye pour yo même seulement avec propre courage yo pa ka sorti pays nan crise la, mais c'est ou même c'est nous tout qui pou mettre force nous ensemble pour nous sortir dans dossier kidnapping ça, parce que les yo kidnap ou moun ou yo même bagay la fè yo mal, mais ou même bagay la fò pi mal, parce que ou pral dépenser kòb ou ap dépenser kat apre le yo ou ap gon kòd nan rè ou parce que ou ap pè pou yo pa tye moun nan. Mais lè l'état pran yon décision, donc moi même si m d'Haïti m d'ap commencer détété vite pam nan. Et m'après les moun la kay mwen tout yo commencé détété ralet retirer le métat tête en prix souple, parce que les marigou a volé nous pas konn mal, nous pas konn faible. Ça veut dire même moto tété et bien la police li même si yo jwenn nou avec vite tété ça et yo bayon délai à partir de 6 kap vini là. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est pas blague, parce que hier nous capable garder figi ministre avec figi et directeur général la police là. Donc ça qui va passer là, c'est pas blague qui va gagner. Si on joue nous avec yon machine vite li tente, et bien so joue dans la ria c'est pour. Et ou même population en tout à partir de 6 ans de bien chaque grenaïse qui vivre dans pays d'Haïti. À partir de 6 qui vini là, après 6, sous ta croison machine ou vite li tente, crasel pour mettre li ça, nous mettre crasel, parce que yo di faut qu'on détente vite machine, parce que cause kidnapping ça c'est décor sous décor seulement pour nous pas tirer roche. C'est corps diplomatique ensemble avec corps consulaire yo, c'est eux même yo retiré, c'est eux même yo mettez à l'exception, c'est deux entités ça ou seulement cap gagner pour porter vite tenter. Comme nous connaît même dans grammaire là, ouais yo dou un verbe aller et tout verbe qui se termine en er yo, les wap commence yo, par exemple ou dit je mange, tu manges. Mais gon verbe qui paraît qui fait exception, verbe aller d'où je vais, tu vois. Eh bien corps diplomatique là ensemble avec corps consulaire là, eh bien c'est exception, c'est eux même qui exception. Ou pas tape ka di je al, tu al, il al. Donc yon façon dit je vais, tu vas, il va, et quand te bagay la pral gâter, ou de ka di
nous avons, non, c'est nous allons. Voilà. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, délai ça, yo baili jusqu'à 6 pour que tout le monde détecte plaque machine. Et si yo ta joué nous, la police lui-même, ta joué nous avec machine, 8 li tente, eh bien, yo a pignon selon sa code route là avec loi pénale là lui-même li dit dans constitution. Donc la guerre avec ti pati et kokobe sou pa vle passer dans loi pa fait te dit yo dou détete vite machine ou détete l. Oui c'est ou même qui te payé l'argent ou qui te détete vite machine. Oui ou capable participer dans dossier kidnapping mais les marangou a volé ou pas kon mal ou pas kon femelle les ko vle payé a sorti dans crise li a c'est pas fait ignorance ou même rete dans ti coin port dit c'est ma kak k'a fait mais collaborer tout. Les gon bagay k'a fait pour petit pays à nos crises, faut que nous apprenne collaborer pour nous sortir dans sa nouyer là, pas prendre pas ignorant ou dans sa capacité là parce que jodi a c'est ca voisin demain le ca ou même donc c'est nous toutes qui pour mettre force nous c'est nous toutes qui pour mettre main si toute population pour nous sortir dans crise qu'a traverser pays là. N'a continuer mesdames mademoiselles et messieurs, eh bien dans troisième paragraphe là qui ça dit le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de la Défense, le bureau du secrétaire d'État et de la sécurité publique, la PNH sont directement responsables de l'application rigoureuse de la mesure relative à l'interdiction des véhicules à vide teinté. Les ministres et les directeurs généraux et les autres responsables des institutions publiques veillent à la mise en œuvre immédiate de cette mesure concernant les véhicules immatriculés SE et IT relevant de leur gestion. Donc, tout ministère ça yo même yo a là pour yo assurer décret ça qui sorti a ça que yo dit dans note ça machine cap circuler avec SE avec IT a donc yo a pral rentrer toute machine ça pour yo capable bien connait qui rôle yo qui ça yo fait en dedans pays a donc machine kap pote nouveau plaque là, c'est une machine kap gen autorisation vite tenté à son l'autre, mais fon konnen tout goma ak paquet machine service de l'État. Ça veut dire ça qu'on nan la police, ça qui qu'on nan bureau yo et bureau l'État yo. Et ceci gon paquet instance temporaire tout en dedans pays ya, organisation yo, corps congréganisation yo, même tout l'État lui-même li la ministère ça yo là pour surveiller machine ça yo parce que yo même yo kon rebelle parfois pour yo détenter vite machine yo. Quitte ou te gon machine location nan men yo. Quitte ou te gon machine service de l'État l'autre entité yo. Quitte ou te gon machine instance temporaire ité nan men yo, eh bien pas gen porte à sortir de là, c'est détente vite machine, nan faut tout moun ka wè jò ka passe dans la ria pour nous capable sortir en bas crise dossier kidnapping ça. Parce que dossier vite machine tente ça parce que lorsque l'état prend décision ça c'est parce que bagay la bre répété trop et pas oublier gon cause élection k'ap vini pi devant là. Donc si pays a pas gon climat qui stable, si que dossier kidnapping ça pas stoppé, eh bien j'en a dit parler des élections cause ça li même li pa ka résoudre. Donc en ce sens dirigeant yo prend une décision l'attendé gon paquet moun ki se soufflant chou ki pral kore la yo, oh c'est pas vrai, c'est pas dit, c'est pas date, nous pas gè droit d'éteinte yo. Eh bien population c'est ou même qui pou fè devoir ou décision c'est nan men ou li là ou l'état sorti on note ou même ou la premier moun ki pou forcer l'autre la appliquer c'est ou même parce que c'est ou même qui pral victime. Et ceci le wap victime nan bagay la pa douce pou. C'est vrai que bagay la formal mais ou kon wè long grand moun pa long ti moun li dou pal nan tel bagay et pou même ou pa tande ou aller puis sortande ou saute tombe ou blessé. C'est vrai li même la fait diligence pou le menon l'hôpital so wap bay sa mais moun kap soufri a c'est ou même la pied. Et ceci le wap soufri a tout conscience ou wap reproché ou laisse wap songe que gouvernement li même li te pren décision sou sa kap pase a fok ou rete vigilant. Donc mesdames mademoiselles et messieurs pour finir, eh bien, population, gouvernement ensemble avec la police, invitez population pour le collaborer. N'importe côté, à partir des 6, ou ta wè yon machine, vite li tente. Li sans plaque, pas hésiter, relè nan 38 38 11 11, 38 39 11 11, et puis 122 à partir de 5 mars. N'importe côté ou ta wè yon machine, vite li tente, et puis li sans plaque, pas hésiter, relè nan 38 38 11 11, à 38 39
11 11, et puis à partir des 5 nous capable reler sous 122 qui c'est en ligne cap là 24/24. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien pour sécurité capable là in pays a pas de exception. Faut que nous toutes mettez main en patte là pour que nous capable tout pisi moun sa yo kap fè zak malhonnête sa yo depuis au bon bout de temps kidnapper frère ou kidnapper sœur ou kidnapper petit ou kidnapper petit on l'autre kidnapper maman tuer moun sa yo pile ou la loi sa yo et bien yo supposé mettez yo en bas code. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour plus de détails, entendez déclaration premier ministre Jude Joseph. Merci monsieur le ministre. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, alors les deux secrétaires d'État à la communication et le secrétaire d'État à la sécurité publique, chers journalistes, merci d'être venus. Moi là pour annoncer des mesures que nous prenons. Un, des conseils SPN qui étaient faits en prélude. Ayons l'autre CSPN spécial qui était faite avec l'assistance du chef de l'État dans le ministère de la Justice. Et nous sommes dans un conseil de gouvernement là, après le dicté qui mesure que nous prenons. C'est des mesures qui étaient que nous prenons dans le conseil des ministres. Première mesure là, tout gouvernement a décidé que conteneur qui a rentré dans le pays a passé par là avec des effets personnels, il y a bien pour recevoir seulement dans le port Port-au-Prince avec dans le port Cap-Haïtien. Désormais, le ministre économie et finance est responsable pour faire appliquer les mesures sérieuses. Deuxième mesure, là, c'est que toute machine teintée, machine vite, ça veut dire vite fumée, est interdit ou rouler sur tout territoire public là à partir de samedi 6 mars. Quel que soit le monde, il joigne qu'à rouler avec une machine vite teintée, vite fumée. La police apprend mesure que la loi prévoit pour ça contre. Seule machine qui a exempté de mesures ça, c'est machine qui a une plaque officielle, nouvelle plaque officielle là, qui a une couleur jaune. C'est machine corps diplomatique, c'est machine corps consulaire. Yo. Nous connaissons, nous t'a posé une question et machine police. Même machine police pas gain droit, machine la police, machine PNH, pas gain droit circuler avec des vitres teintées. Le la police besoin circuler avec vitres teintées, la mettez sécurité dans le pays. Mesure ça, les concerner. Premier ministre Lantou, qui a une machine privée, mais Premier ministre là, pour le sortir de la machine privée, vite là pour obliger clé, pour tout le monde figure, le besoin machine, la machine vite teintée, machine privée bien entendu, la mettre sécurité dans le pays. Il valable tout pour toute munition, quel que soit ministre. Ou pas gain droit circuler avec machine privée ou à vite teinté la donne, parce que l'État ba ou yon machine qui gon plaque officielle la donne kap autorise ou rouler avec. Ministère intérieur, ministère de la défense, bureau secrétaire d'État à la sécurité publique là, la police nationale yo responsable pour faire appliquer mesures à yo à la lettre. Directeur généraux avec tout
l'autre directeur, qu'on un organisme autonome, qu'on un organisme déconcentré de l'État, ou a gagné sous responsabilité pour faire appliquer mesures sa yo. La police n'est pas responsable pour détecter vite machine go. Ou a gagné pour détecter vite machine pour quoi? Et si la police joue nous avec on machine vite tente, la bien pour l'appliquer la loi. Compte ou même. Et maintenant, des populations en temps pris, font y souffrir. Nous connaissons des gens qui payaient pour yon tente vite machine. Yo. Nous conscients de ça. Mais, j'en situation hier, yon, marin gouap volo, pas qu'on ni mal ni femelle, tant pris. Font y souffrir. Parce que, plutôt la quoi à la caillou, au lieu la quoi à marcher devant porte, moun sérieux comme ça, dans le pays. Son situation exceptionnelle, nous prenons des mesures exceptionnelles. C'est pour ça, nous avons demandé pour nous faire un petit souffrir, parce que son mesure temporaire, en attendant, que nous mettez l'ordre avec sérénité dans le pays d'Haïti. Merci un peu. Bagala c'est pas blague qu'a baille, c'est souci qu'a contré. Ça commence à faire mal, oui, ça fait mal Tibou. Parce que quand j'en connais sa Tibou route là, vite la tête ou que t'as un petit bail depuis dans machine là. Vous comprenez? Mais quand y a là, bail ça pas existe encore. Vite là, depuis vite de tete, mais des fois, faut tibaye tout moun apport dans la machine. Il y a des machines qui ne comptent pas sur le parking dans le coin, et pour c'est tchoukou, tchoukou, tchoukou. Monsieur, on a des demoiselles qui ont ménage qui ont passé, et puis dans la machine ensemble avec un grand chef. Il y a un petit plaisir, et puis dit chéri, chéri, regardez, mes ménages qui ont passé, oui. Il y a un bail blague sur les gars qui ont passé à terre. Et bien, quand il y a ma chérie, ça finit, hein, c'est fini, hein. Les gars ont sorti, oui, et puis. Ça passe, elle passe pour un petit boubout, elle passe sous madame, ni petit boubout là dans la machine, non, attendez bien, petit boubout là dans la machine, non, et puis, fia va même ou elle-même. Mais nous, tout qui prend courant dans bagaille machine vite tente, ça. Eh bien, femme, dis-nous, à dossier machine vite tente, en pile gros chef dans le pays, après le fidèle à madame, parce que, n'a pas, aïe, 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 m'connais bagaille là pas bon pour nous, m'connais sacrifice là, Dieu pour nous faire. Mais messieurs, on prend conscience de ça qu'a passé en dedans pays ya, on bat pour nous voir si n'a sorti pays ya dans trou côté lié ya, et non seulement ça tout pour nous voir si sécurité capable blaï dans tout pays ya. Donc bravo avec gouvernement qui prend décision ça, puisque en pile moun t'a plein et ceci t'a demandé ça depuis au bon bout de temps pour détecter vite machine. Donc déjà premier ministre là ensemble avec gouvernement lui-même li dit le compter sous compréhensionner et n'a comprendre qui ça pays ya. C'est vrai que nous payer l'argent nous pour nous détecter vite machine. Nous. Mais les pays a fait face à une crise comme ça, faut que nous tous collaborer pour nous capables sortir pays à dans salia. Même avec ça qui t'est passé Cuba, nous songe les révolutions Cuba a fin fait, et bien pays a pas de gécop. Qui ça casse tout fait? Li oblige tout gouvernement net, c'est bécan nous oblige monter pour notre travail. Tout nèg gé bécan yo, willy n'a prend la ria, cottage bécan passé pour aller dans primati, aller dans palais pour notre travail. Donc parce que pays a pas de gécop, faut que te relever économie pays a. Mais journée jodi a, si pays d'Haïti a fait face avec une crise comme ça, eh bien, c'est tout dirigeant, c'est ou même, c'est moi-même, c'est nous toutes, c'est diaspora, tout, qui pou mettre main ensemble, parce que pays à ces pays où, malgré on fait tout le temps à l'étranger, ou citizen, mais vous avez décidé de retourner, là, vous avez lu biographie, vous avez dit origine haïtienne, quand même, ça a toujours été dans où. Donc, en ce sens, ou que tu fais mon en Haïti, ou ap débarqué en Haïti, c'est vrai qu'on a dit, ou pas les mounou, ou pas les mounou, figure, eh bien, pour pas le tomber dans la bouche, parler ensemble avec la police, parce que la guerre avait parti et kokobe, invite mignon, passez-moi des pardons, en ce sens, ou débarque en Haïti, souvent vie sorti, mes amis, parle pour machine vite tente, pour aller tomber dans les, parce que, j'en bagay la partie là, nous, tout est que la police lui-même, pas gagner passe pour qui pour personne, parce que si la vête nous les dit machine vite tente tant pour souple depuis jodi a commencé détente vite machine et nous attendons premier ministre jou dil li gen machine brivel si l'envie sorti et bien s'il pas ka monter machine l'état comme c'est travail li pral travail machine quoi diplomatique avec machine consulat que vite li tente ya et bien la obligé monter machine brivel la vite li a détente tout moun a pour ces jours qui en dedans machine de même pour président de même pour DGPNH là de même pour munitions. Mais c'est pour tout le monde, loi ça lui-même l'a pas appliqué. C'est pour tout le
moun, eh bien, note ça lui-même, l'idée. Sou envie qu'à les jeunes gens, si vous faites partie des corps diplomatiques, sou envie qu'à les jeunes gens, eh bien, c'est pas machine corps diplomatique là, ou absoti, non? Eh bien, machine privo, là, détente vite, li pour sortir ensemble avec les qui pas travail, parce que corps diplomatique, il va travailler 24 sur 24. Et ceci tout, gede les ou pour machine comme ça, de ou, m'a dit ça, l'a fait de ou. Donc, en ce sens, sou envie qu'à les jeunes gens, eh bien, pas hésiter. Sou fait partie de ça yo détete vite machine nou. Et parce que si la police joue nous avec vite tete ya m'pa caché dou pa gen assez code pour yo maro parce que ou connait en Haïti ou pas fait yo mettre dossier sou allez voir sou fait donc la guerre avec ti parti et kokobé précaution pas capo parce que malin pas qu'on tombe sous pied bois c'est sous monito bébé j'en dès qu'on dit le maladie pas qu'on tombe sous pied bois donc tout autant qu'a prend précaution tout autant que ou qu'a fait prévention détecte vite machine nous marcher correct marcher avec pièce sous ou dans nuit pour pas tomber dans bouche parler dans bouche longue ensemble avec la police parce que crise ça qu'a traversé pays a nous tout temps aimer pour nous sortir là-dedans donc nous féliciter et gouvernement qui prend décision ça parce que nous penser c'est une bagaille qui capable aider pays d'Haïti sorti dans sa lié à là et ceci pour continuer travail puis dit parce que les comme mon béton décision comme ça d'ailleurs pas oublier ennemi en lui-même li pas dormi la travail pour tout donc gros nouvelle mon amyo bienvenue c'est sous Tax 609 ou connecté n'importe côté où y est depuis où c'est haïtien ou doit compte toute sa cap passé en Haïti ou à l'étranger pas oublier abonnez, commentez, likez, partagez vidéo pour travail là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Et actualité dans le pays d'Haïti et de pression qui a augmenté sous administration Jout et Jovenel, ou bien Jovenel Jout là, pour organiser l'élection pendant l'année 2021. Sandra, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir Jean-Robert, bonsoir tout le monde. Et Jacques, moi chargé aujourd'hui. Hein? Donc, vous connaissez que le département d'État gagne une conférence que lui fait avec la presse chaque après-midi. Donc, hier, la Voix de l'Amérique posait quelques questions sur Haïti. Et nous posions une question sur l'immigration en Haïti. Donc, tu me dis qui ça nous posait et tu me dis la réponse. Ned Price, porte-parole du département d'État. Donc, nous demandons, est-ce que le département d'État pral recommander pour l'administration Biden na, prolonger TPS, statut protégé temporaire pour Haïtiens? Ned Price répond nous que loi États-Unis mandé pour ce département de sécurité nationale-là, Department of Homeland Security, qui prend décision sur ça. Après les fins consultées à l'agence appropriée. Donc, nous ne pouvons pas faire commentaire sous discussion qu'a fait entre l'agence SAIO sous question TPS. Là. Donc, il n'y a pas vraiment nous une réponse fixe. Il dit nous que c'est département sécurité nationale. Là. Nous dit département et en anglais, mais c'est un bureau ou agence gouvernement américain. Donc, nous posons une deuxième question. Deuxième question, c'était, leur considérer instabilité politique qui gagne en Haïti actuellement, est-ce que ou quoi plus Haïtiens pral chercher asile aux États-Unis? Réponse Ned Price. En général, moi qui a dit que c'est responsabilité gouvernement haïtien pour organiser élection en 2021 qui libre et honnête et crédible. Nous pouvons coller avec la communauté internationale là, nous appelons à lancer des acteurs politiques haïtiens pour mettre tête ensemble pour joindre une solution. Nous soulignons plusieurs fois que le peuple haïtien mérite choisir, leader livré, et puis il faut que Haïti rétablisse institution démocratique. Yo. Donc, pour mon cap gade yo, qui ne connaît pas qui sa TPS là, nous disons déjà que c'est statut protégé. Temporaire que lié, c'est une décision, c'est une loi immigration que le gouvernement Obama a été prendre. Après tremblement de terre en Haïti en 2020, donc décision ça a été prendre le 21 janvier 2010, moi je l'ai dit 2020. Donc, et li, c'est une recommandation qui fait pour statut ça, pour moun qui, soi-disant, a vivre dans un pays côté qui te gagne un gros désastre naturel qui frappe, qui saccage le pays, hein, ou bien côté qui gagne instabilité politique, la guerre,
bagay kon sa. Donc, à cause du tremblement 12 janvier 2010, Haïti, hein, yo te décidé bay Haïtien statut sa, TPS. OK? Donc, le Trump te vin président, li te décidé que li pral et éliminer statut sa pour Haïtien. Et li te décidé que statut sa ta pral fini à partir de septembre, mois de septembre année 2021. Donc, septembre année sa. Mais en attendant, li pa re-élu et Biden vin président. Et le Biden ta mené campagne, li tal Miami, li te rencontré dans Haiti, Little Haiti, avec Haïtien américain et une question que yo te dit qui très concerné yo, qui très intéressé yo, c'est question TPS là, parce que gen plus gros communauté presque de Haïtiens qui vivent aux États-Unis, c'est Miami yo ye. Li te promet yo pour li prend ça en considération et que li travaille sous ça. Donc c'est peut-être ça que Haïtien très fâché qu'on y a que rien pour qu'on fait sous question TPS là. Et que yo poko vraiment bay yon décision. Fok nou di tout que département sécurité nationale là, donc agence gouvernement ça et moun ki dirige là, secrétaire, c'est yon moun que président nomme. Donc le Biden rive président, li nomme yon moun, mais fok Sénat américain confirmé moun ça, approuvé moun ça avant que moun ça entre en fonction. Donc, nous gagnons un nouveau secrétaire, Homeland Security, Sécurité nationale, l'irélé Alejandro Mayorkas. C'est un Cubain américain, il est un immigrant, parents émigré aux États-Unis, sorti Cuba, le Timon Piti. Il est le premier Latino et premier immigrant américain qui j'aime diriger agence ça. Mais il est entré en fonction, ça gagne un mois de ça seulement. Le 2 février 2021. Donc, ça prend temps, on connaît, pour bagaille au fait. Donc, il y a travail sur ça, mais nous pouvons avoir une réponse. Mais ça n'a pas empêché que, et pas grand monde qui a critiqué. Nous prenons contact avec l'organisation FOM, dans Miami. C'est une organisation qui travaille sur question immigration. Haïtien, dirigeant c'est Marlène Bastien, c'est une haïtienne que lié. Femme représentée Family Action Network Movement. Et mes commentaires que l'I fait sous causé TPS là pour Haïtien. L'I dit nous que nous lançons appel by président Biden pour demander secrétaire Mayorkas pour redésigner TPS pour réfugiés haïtiens. C'est un bagage femme a demandé depuis longtemps. N'a travaillé pour ça même j'aime avec l'autre organisation qui défend droit immigrants yo. Faut que ça fait kounia. Et nous connaît que nous t'ai parlé avec ambassadeur haïtien Bokchi Edmond sous question immigration avec sous question TPS là. Ambassadeur Bokchi Edmond t'ai dit nous tout que et le gouvernement Biden a considéré légalisation TPS, statut protégé temporaire. Ambassade Haïti pour continuer de travailler avec responsables américains pour que yo défendent droit haïtien qui vivent aux États-Unis. Et il était lancé appel by président Biden pour lui travailler avec membres Congrès pour joindre une solution qui puis durable, qui puis finale sous question ça. Donc, mais ça me gagne pour vous, Jean-Robert, sous causer immigration aujourd'hui. OK, Sandra, sinon, tu as un petit résumé de. Nous connaissons que la justice américaine prend une décision. Et nous rappelons dernièrement, le président Jovenel Moïse dit qu'il n'a pas demandé aux autorités américaines pour de combattre les armes qui ont quitté les États-Unis pour venir en Haïti. Et nous apprenons que il y a une décision de la justice prend sur un ancien militaire américain qui a cherché à faire des armes entrer en Haïti illégalement. Actuellement, c'est un militaire actif, c'est un marine américain, c'est un sergent dans la force marine américaine. Non? Et monsieur Relé Jacques Durosso, il a 34 ans. Il était, pour nous rappeler, auditeur rapidement, si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, monsieur était voyagé avec 3 mallettes chargées avec ZAM en Haïti. Là, il est arrivé à l'aéroport Toussaint Louverture, Port-au-Prince.
soi-disant moun ta pral rencontre li et puis fè passer la douane sans aucun problème, mais le yo te mandé rempli un papier immigration en la douane, li te outi chanvin agité. Et puis monsieur, d'après sa yo di, te souffleté yon policier haïtien. Donc ça te soulevé attention l'autre et policier haïtien cap de faire sécurité dans ambassade là. Et puis c'est comme ça que yo te vin clairer une lumière sur monsieur, garder monsieur de près, et yo te vin joindre que même monsieur a pc fait zam entrer aux États-Unis. Monsieur te déclaré que intentionné c'était pour lui entraîner membre l'armée Haïti sous combat. Et puis, il te dit que il te voulait président Haïti. Donc, Haïti te mette main sous monsieur, yo te mette en prison dans le mois de novembre année passée, et en mois de décembre, yo te déporté li aux États-Unis. Donc, on y est, yo te fait main en prison, et procès monsieur fait, et jodi an, nous apprenons que monsieur condamné pour passer 63 mois, qui donc 5 ans, en prison pour être zaksa que li komet, ce qui c'est trafic illégal zam. Et pendant que nous t'a parlé avec hier Jean-Aubert, nous t'es en onde et ambassade américaine à Port-au-Prince t'es voyé un tweet côté que li t'es dit suspend vente zam illégal. Côté li fait connait que ambassade américaine a travaillé avec plusieurs agences immigration les États-Unis, ensemble avec le département d'État, ou agence qui travaille sous trafic, drogue illégale avec crime international, et puis tout avec l'IFE qu'on est, police nationale haïtienne, pour yo travaille sous question pour combattre trafic d'armes illégales. Yo dit que y a essayé by police nationale haïtienne, assistance technique avec formation pour aider à atteindre objectif ça. Que c'est un objectif que président Jovenel Moïse te dit semaine ça c'est un objectif une priorité li. Voilà Jacques et Sandra Lemaire, merci en pile pour renseignement ça, pour information ça au partager avec tout monde qui a regardé nous et tout auditeur nous tout. N'a pas question de voir pour demain pour encore l'autre information que nous connons bien que pas de partager avec téléspectateurs nous et auditeurs nous. D'accord. Et puis nous parlons de notre cap de mine actualité, nous connaît que en Haïti il y a une grève qui déclenché, grève ça c'est moun kap van association moun kap van produits pétroliers qui déclenché grève ça, et puis il y a une grève tout que pédiatre fait tout et pour protester contre yon et mamyo qui censé ta qui t'a perdu la ville que Negami t'a tué dimanche passé, alors que gaz et alors que grève pour industrie ou bien pour association industrie pétrolière ou bien machine pétrolière offert, et bien même c'est pour protester contre yon mamyo que Negami kidnappé. Nous parlons de Port-au-Prince, que nous parlons de correspondant nous Renan Toussaint qui parle nous de question ça. Renan, qui en sait bon la kayo? Bon, on a salué rapidement Jean-Robert Philippe, et bien a dit que dans l'entrée sud capitale là, et Port-au-Prince, nous voulons parler des zones Mariani, Carrefour, et bien qui bloquaient la population à protester contre le kidnapping de fait sur nos entrepreneurs. Non, monsieur, c'est Jean-Marc Modestin qui, monsieur, gagne un pompe gasoline, il a réclamé 500 millions de dollars américains, il a répété 500 millions de dollars américains. Que Radisseyo réclamait pour capable de libération. Monsieur, que les populations dans la direction sud de la capitale de la Port-au-Prince sont bloquées, Mariani, pour exiger libération, monsieur. Vous connaissez depuis quelque temps, il y a une question de kidnapping qui a taillé mandat dans le pays d'Haïti devant les autorités haïtiennes pour qu'on ait le kidnapper qui joue une arrestation. Eh bien, je vous dis là tout, ensuite des protestations, il y a un propre. Et bien, pour pas être sensible, même ne pas fonctionner. Cependant, il y a quelques petits bâtiments de gaz. Et bien, côté petits bâtiments de gaz, nous sommes capables de dire très clairement, c'est en pile, embouteillage. Donc, Renan, donc ça veut dire que ça a paralysé un petit peu
et transport public là étant donné que pas gagné pour pas essence cap vendre gaz pour qu'on y a bien pif là dedans yo t'a fermé en signe de protestation et pour te coller avec l'ordre que association a passé. Ah oui, tout à fait, Jean-Robert Philippe, c'est bien. C'est ça que je dis là, c'est que en signe de protestation pour pas essence pas livrer gaz par consommateur yo, mais il y a quelques graines quand même pour comment bah yo fait, il y a quelques graines quand même qui osent bah du gaz, mais chaque fois que tu gaz, c'est un embouteillage tout dans le capital. Et on connaît tout, il y a un pédiatre, un médecin qui est kidnappé, qui est assassiné. Monsieur, c'est un parli, monsieur, son pédiatre. Et bien, l'hôpital, il est en grève par rapport à votre situation. Une recommandation pour ne pas jamais changer, c'est pour exiger aux autorités concernées, assumer les responsabilités par rapport avec le kidnapping, avec l'insécurité qui a pris dans la capitale haïtienne, n'importe vrai, et pourquoi pas dans des villes de mauvais. Mais avant d'aller tout, on dit que il y a une fusillade qui fait sous champ de masse, le coup du 3 mars 2021, bilan, deux mouns mourus, parmi eux, une femme enceinte blessée. Criminel lui prend la fuite, quelques minutes après, la police, lui-même, est rené sous les lieux, on connaît ce qu'on a toujours fait en Haïti. Les actes qui ont commis, ou après que, quand il est inédit, après, la police a venu sous place pour capable de constater les dégâts. Mais en termes de prévention, pas de rien vraiment qu'a fait, malgré tout le bagage qu'a vu. Tout citoyen haïtien qui a vu en Haïti a vu une situation pérenne, pas de rien concret vraiment qui a fait pour être capable de corriger la situation par rapport avec l'insécurité. D'ailleurs, on a vu que les deux nègres armés, alors, l'extérieur, ils font partie des groupes gang 4e Arozo qui l'ouvrent coup de zame sur un autobus dans une zone papa et commune grandier. Un autobus qui a transporté le monde qui a sauté en Haïti pour aller en République dominicaine. Donc, c'est aujourd'hui à ça passé. Il y a deux mondes blessés très, très, très graves. Et puis, après ça, les chefs de bus là, ils prennent tout le bagage qui est dans le bus, etc. etc. Donc, c'est après la police, même il paraît sur les lieux, pour venir constater des dégâts. Donc, c'est une situation d'accord. qui paraît très, très compliquée par rapport à la situation sécuritaire là en Haïti. Jean-Robert Fidé. Merci, Ampilou, dans tout ça. Et suivez l'actualité pour nous. Et puis, on a reparlé encore sur la situation ça, qui est toujours développée pour nous connaître ce que l'autorité a fait arrestation sans ça. On a prêté toujours dans le pays d'Haïti. On a dit que plusieurs membres de la société civile là ont minimisé l'importance de la déclaration du président Jovenel Moïse fait ça pas longtemps pour dire que la mettait sous pied une cellule anti-kidnapping en dedans police nationale là. Mathieu de Villemé pour plus de détails. Gros chauffeur kidnappé. Dans son APN, non? Ils ont demandé près de 5 millions de dollars pour lui. Nous ne pouvons pas jouer. Ils ont tiré le pied. Et ils ont mis gasoline qui m'a gagné. C'est un syndical qui est tout. Ils ont kidnappé ça. Nous avons dit remettre nous. Ça fait au moins 110 cas de kidnapping qui identifié pour les deux premiers mois. Pour trouver qui connaît le phénomène, c'est là qui tourne un sacerdoce pour individus qui pratiquent des actes malhonnêtes. Chef l'État, Jovenel Moïse, compte mettre sous pied une commission anti-kidnapping qui vise à renforcer ses lignes anti-enlèvement direction centrale police judiciaire des CPJ qui déjà travaille avec une délégation police colombienne sous question ça. Ils sont synergiques par créer entre toute entité qui est dans l'État déjà. Je voulais parler de sécurité publique avec nouveau secrétaire d'État sécurité publique là. Nous voulons parler de ministère intérieur, nous voulons parler de toute l'autre entité qui travaille dans les affaires renseignement et intelligence dans le pays là. Pour nous mettre tête ensemble sous leadership directeur général police là, pour nous capables de mettre un bon contrôle dans les affaires kidnapping là. Il y a des démarches plusieurs personnalités dans la vie nationale pays là, pas espérer capoter grand fruit. Mais c'est un mensonge, c'est une blague, toujours une cellule contre l'enlèvement, qui était toujours habitué à opérer, qui était contre bas résultat. Dis-moi, je dis à vous, mettez une cellule contre l'enlèvement, c'est comme si, en structure fonctionnelle, ou pas déjà gagné une cellule de contre-enlèvement. Contre-enlèvement, nous connaissons pas vrai. Une cellule de contre-enlèvement, mais qui message là, c'est que kidnapping, un monde qui n'a pas pouvoir impliquer la donne, à un point tel, que son commerce qui est libre. L'Union doit continuer à rouler. L'heure directement concerné, là, ça a réagi. Donc, la conclusion, c'est que nous avons un gouvernement scélérat qui a participé avec deux mouns
que deux mèches avec une activité criminelle pour dépouiller la population haïtienne non? Et lui montrer qu'il existait seulement les sacs à mettre existence par le danger. Il a toujours formé des commissions. C'est bien ça le faire. Il n'est pas trop tard. Il a fait. Mais moi-même, j'ai demandé le côté le théâtre depuis toutes les salles, mon tabrelé en moué avant match là. Côté tout le monde, yo kidnappé yo. Côté yo théâtre, tout le ministre. Tout le monde a pris les affaires, élection yo. Mais la population a cap mourir, ça n'a pas de fait rien. Vous comprenez? Li met formé commission, quitte le continue de travail, mais nous-mêmes n'avons pas de travail pas nous. Ça veut dire. Les clair pour nous toutes là, sont question de démagogie. Ça important dans ça, moi-même voulais nous toutes comprendre. Depuis plus que deux années, y a kidnappé haïtien ici, y a tout et c'est pendant y a kidnappé deux dominicains. Nous estimons que président ouais importance kidnapping. Tout récemment dans les Nations Unies, il fait que ça dit que kidnapping n'a baissé. Ça veut dire nous comprendre et je dis nécessité nous je dis, c'est pas ça ancien président Jovenel a dit. Nous sommes peuple pacifique, c'est yo qui a fait violence, c'est yo qui fait violence, et n'a quitté faire violence, n'a toujours nous mêmes de manière pacifique prend béton. Nous devons dire à nos chefs l'état fait dans date de mars passé a pas ébranlé même yon petit crasse kidnappé yo. Côté yon jour après, c'est pour petit trois moun yo prend sous route yo, pas mes victimes yo, joignon proche ministre santé publique à population malgré Tawa Clément. Toutefois, la police dans le département sud pays a, plus précisément dans la ville Okaï, rive mette men dans pat kasav 5 présumés kidnappés. Ça nous apprend sous compte Twitter ministre justice et sécurité publique là, monsieur Rockefeller Vincent. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinmé pour la Voix de l'Amérique. Programme ça vient nous depuis Washington DC et vous pouvez suivre nous sur Facebook, sur Twitter, Instagram avec YouTube. Dans l'autre nouvelle, ancien colonel Imler Rebu dénoncé façon président Jovenel Moïse a géré pays et côté de critiquer déclaration président fait sur affaire que le premier était affaire de secrétaire général ou bien représentant secrétaire général des Nations Unies et madame Lalim fait devant Conseil de sécurité à savoir longtemps pour le dire pour l'LTE parler de manifestation qui a déroulé dans le pays d'Haïti, côté était minimisé quand c'est monde qui était participé dans la manifestation ça. Ancien colonel Imler Ribé. Ou madame Guéle, madame Lalim, qui représente Bini en Haïti. Le 14 février, il y a près de 1 million de monde qui prennent la rue. Là, devant l'instance internationale, il disait 3 000 monde qui étaient guerres. C'est un petit peu mal connaître le peuple haïtien. C'est pour ça qu'il représente presque un défi, presque un manque de respect. Laisse à Haïti à dire qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, n'a pas sorti pour, ou pas de presque dans toute manifestation de Mme Lalim, qui a parlé. Pas presque de parole politique en tant que tel. Grand pile monde qui a dit, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas d'accord avec kidnapping, il n'y a pas d'accord avec insécurité. Mais ça qui est plus vexé la population, c'est parole de Mme Lalim qui a dit devant le Conseil de sécurité. Jusqu'à ce que y a vous fait pile blague sous lui, y a demandé pour la prendre compte, etc. Nous pas d'accord avec moun qui a dirigé nous avec des lois que vous fabriquez pour seul propre intérêt par eux. Nous pas d'accord avec moun qui a violé la loi. Gain ça ou constitution dit, nous tous gain devoir pour respecter l'eau. Nous pas d'accord avec moun qui a metté à prendre que le pouvoir qui a metté avec des moun qui des criminels connus. Qu'a fait population mal. C'est ça le message là. C'est pas un message fondamentalement politique. C'est un message social qui dit qui j'en nous-mêmes comme êtres humains nous concevoir, j'en nous voulons vivre, j'en nous t'aimer vivre. Nous ouais tout. Attitude différente de la police nationale. Mais pour qui ça? C'est parce que le gouvernement qu'on a gagné en pile presse étrangère qui souterrain cap suivre évolution situation. Donc il a subi manifestation et c'est sa fois, c'est première fois. Que autant de présidents fait un commentaire sur une manifestation qui est faite contre mauvaise manière à diriger. Actualité ici aux États-Unis avec Serge Rodriguez. Pour la première fois depuis partisan ancien président Donald Trump qui a organisé un gros aucun soulèvement dans le Congrès en le 6 janvier passé, un ancien gros chef force de l'ordre américain déclaré par les parlementaires pendant une séance de position yamadia. Zach Revol, qui était éclaté dans le Capitole Hill, a gagné pour un terroriste qui fête dans le pays, tant qu'au groupe suprémaciste blanc qui posait une grosse menace pour les États-Unis. Christopher Wray, c'est directeur du bureau enquête fédérale FBI.
C'est une grosse portion de dossier extrémiste qui s'est sous violence raciale n'a traité globalement. Et pour plus fort, ça représentait plus mortalité non enregistrée pendant 10 ans qui sont passés. Monsieur Ray précisait que Zach Kras brisé en dedans congrès a sorti bon côté en cérémonie qui a appuyé Zach violence. Et puis tout, pas gagné aucune preuve pour courir accusation comme quoi un monde qui était envahi Capitole Hill, c'était faux manifestant Trump ou bien protestateur zèle gauche. Christopher Ray. Nous mettons l'opportunité au égal et au côté de nous vérifier les actes extrémistes qu'il y a avec n'importe idéologie. Jusqu'à présent, nous pouvons une preuve soit anarchiste avec extrémiste ou bien monde qui a une affiliation avec Antifa dans le cas d'attaque 6 janvier passé. Ça ne veut pas dire nous ne pouvons pas chercher, nous pouvons continuer à faire ça, mais pour qu'on y a, nous ne pouvons gagner aucune preuve dans ce sens-là. Il y a plus passé 270 fois, l'autorité a déjà mis en bas corde dans le cas de déblousage en janvier passé. Et le directeur FBI a parlé pour dire enquête après elle continuer sous question. Nous identifier et mettre plusieurs individus en bas accusation chaque jour, bon Dieu, mettez. FBI prend engagement pour continuer ce travail, quelle que soit quantité de monde ça prend. En plus, les républicains sous Bopayo a essayé de faire comprendre Zach théorie sur égal égo ou bien pisse vite parce que Zach latéral zèle gauche, tant qu'on antifa, côté orange et droite sous 10 feux qui te prennent dans un tribunal fédéral, ville Portland, état Oregon, en saison été passée. Ted Cruz, le sénateur républicain, est à Texas. L'année qui s'est passée, nous avons eu un pile de actes déblousés et d'actes violences dans un moment extrémiste, en pile là, d'ailleurs, c'est mon zèle gauche, qui est descendu sous béton à tout partout dans le pays. Démocrates ont rejeté l'argument républicain au là pour là, quand ils ont précisé que manifestation pour justice raciale, c'est un bagage sans importance de nous comparer avec actes violences suprémacistes blancs pour commettre dans le pays. Sénateur démocrate Dick Durbin, c'est président du comité juridique Sénat. Nous pas capable de comparer ça avec des blousages violents qui dévisent renverser le résultat d'une élection. Et nous pas qu'à mettre les bagages à non plus tout dans la même catégorie avec fusillade en masse sous minorité. Faux comparaison ça, c'est un insulte pour policiers qui étaient blessés ou bien perdu la vie dans le 6 janvier passé. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci, Serge Rodriguez. Dans le cadre de l'interview, journaliste service espagnol, là, c'est Léa Mendoza qui a fait sur l'immigration, qui a fait sur frontière États-Unis partagée avec Mexique, là. On a présenté aujourd'hui à immigrants haïtiens Jean Lafortune qui bloquaient dans la zone Tijuana au Mexique et qui besoin d'entrer légalement aux États-Unis. Non, pas moi, c'est Jean-Aigui Lafortune, sorti Chili, et puis moi tombé au Mexique, et pour moi passer plusieurs pays, pour moi tomber là. Ah bon, moi sorti Haïti, bon. Et j'ai un problème politique, moi j'ai un problème politique, insécurité, et c'est façon ça qui fait moi quitter Haïti qui fait moi bon ici à là. Moi viens chercher une autre vie. Non, en Chili, t'as une manifestation contre politique, et ben pas de gain activité vraiment. Moi juste venu pas bon ici et puis juste moi besoin passer pour montrer les États-Unis. Et c'est moins gain une année 5 mois de Tijuana. Et c'est moins venu ici pour moi papa sale aux États-Unis là. Bon, et moyen pour nous qu'à entrer et aux États-Unis hein, bon. Et c'est juste entrer qu'on a t'a parlé de un programme de MPP. Bah connaît si c'est un bagaille. Bah connaît si c'est un bagaille sérieux. Et c'est juste moi là m'attend pour me connaître si va gagner possibilité de programme de MPP juste pas gagner possibilité de travail ici à là moi je suis à rentrer bon c'est gagne un pile problème vrai gagne un pile et déportation et déporter un pile haïtien vrai oui qu'on est bon nous juste poser moi ici à là pour nous faire autorisation et président pour pas qui façon on va connaître de qui façon nous qu'à rentrer légal tout pour nous faire une possibilité pour notre légal. Donc voilà, Jean Lafortune, c'est une parmi 4 immigrants et journaliste et service espagnol là, Celia Mendoza, t'es interviewé pendant 4 séries reportages de la fête sous frontière Mexique, partagée avec les États-Unis sous immigration qui a déroulé sous frontière.
plus rete vigilant. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a toujours dit nous ça, pas oublier la prière, parce que la prière li même bagay chen li pa kase. Et non seulement ça tout, c'est bon Dieu qui baille protection. Première protection, c'est bon Dieu qui baille li. Avant sorti songe prier. Moi remou en pile, m'te content passer ti moment ça ensemble avec vous, et m'tout profiter souhaiter monsieur Damio condoléances, parce que machine vite tete nous pas ka plus, mais non machine encore résille nous, parce que bagay la dit font ti mari qui git la pon ti temps en attendant causer au pi bon, en attendant comme si nous passer crise ça pour nous faire face à un autre bagay, pour nous si pour nous racher page ça, pour nous jeter dans poubelle, pour que nous reprend activité nous gens que pays a ta fonctionner depuis un bon bout de temps. Moi remé en pile et non pas me se fou comme était content porter toute information ça pour vous, et c'est toujours un plaisir pour me rester connecté ensemble avec vous. Bonjour bonsoir tout le monde, moi praler m'a quitté non bra papa bon Dieu, parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. N'a croiser dans l'autre vidéo. Au revoir. M'ramasser paquet moi. Cause habitant pas misé la ville. M'pralé. Mais m'a quitté non bra papa bon Dieu, parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croiser dans l'autre vidéo. Au revoir.